Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 17 ans et demi. J'ai été à l'ECF qui se trouve à Meaux et j'ai effectué une formation de conduite accompagnée. Aujourd'hui, je vais vous parler du simulateur de conduite sur lequel je me suis exercée, qui me semble 4 heures. Donc on est assis comme au volant d'une voiture, tout simplement, donc dans un siège auto. Donc voilà, donc là je suis installée au poste de conduite. Donc vous voyez, donc il y a un volant, le compteur, on a une boîte de vitesse, le frein à main, on a donc des pédales qui sont fonctionnels, un écran comme ceci, donc un grand écran et deux petits écrans. On a un casque sur les oreilles avec donc une voix qui nous dit quoi faire entre guillemets, donc par exemple faut serrer le frein à main, le desserrer, débrayer, embrayer, etc. Donc en fait on nous guide. Le monde dans la position 10h10. Voilà, donc on... Démarrer le moteur. Ça commence comme ça, donc voilà, après vous avez une clé qui permet de faire démarrer le moteur. Je vais essayer de le faire en même temps. Voilà, et vous avez comme ceci. Donc après, c'est vous qui gérez tout le simulateur. On a un autre exercice qui consiste à tourner et faire en fait une sorte de demi-tour. Voilà. En effet, puisque donc j'ai tapé dans un plot et donc ensuite on recommence l'exercice à zéro. Ça m'a apporté à avoir une première impression d'être au volant, donc pour les pédales, le frein à main, tout ça. Chaque heure s'est super bien déroulé, je me suis toujours sentie en confiance. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis bonne journée, au revoir.